dans cette nouvelle vidéo. Je fais une vidéo pour la première fois avec Manon, donc ça promet. J'ai pas l'habitude. Non, mais au début c'est un peu bizarre, mais ouais. ça va. Manon, t'es toute rouge comme oui, quand même. Mais non, mais... Ok, on fait semblant que t'es pas là. Que va l'école, on n'est pas là. Donc, aujourd'hui je vais apprendre Manon à se maquiller, parce qu'elle s'est jamais maquillée. Elle a pris sa petite trousse avec et apparemment elle a que ça comme maquillage chez elle. Donc je vais découvrir avec vous ce qu'elle a. Et donc je vais lui apprendre à se maquiller pour passer de ça à ça. Tout café et tout et tout. Et tout et tout. Et bon. Ouais. Oh voilà. Tu vois, il faut pas me perturber quand je bois. Ok, ok. Il va encore être plus dégueu mon sac. Mais Marie, quand je vais te lâcher. On va aussi apprendre à boire parce que. Alors, qu'est-ce que t'as dans ta trousse? Plein de choses. Il est beau celui-là. C'est Primark. Ouais. T'as jamais utilisé? Non, c'est l'emballage est là. Le fond de teint qu'on a pris ensemble. Oui, je vais vous montrer la teinte aussi. Manon, non, je sais pas si vous voyez bien. Manon et moi. Genre Manon, c'est le fantôme quoi. C'est le mur quoi, blanc. T'as déjà essayé? Oui, oui. Et t'aimes bien? Ouais, je sais, comme moi, c'est ma teinte donc. Ouais, mais la texture. Oui, super bien. Parce que moi j'aime pas. Sérieux? Moi j'aime bien, ça me dérange pas. Mais j'en ai jamais testé d'autres donc. Moi ça m'assèche la peau et genre on voit des traces d'assèchement quand je le mets. Non, d'accord. Tu vois, c'est mat. Moi c'est juste au niveau des boutons que ça assèche. Ouais, donc tu vois plus ton. Ouais, on voit. Tu... Ouais. Première étape. Okay. La base. La base. Je sais pas si c'est bien. J'avais fait une vidéo avec ça. C'était une catastrophe. Sérieux? Je te jure. Moi, je mets juste le truc blanc. Hein. Ah, mais non, ça tu mets avec tes doigts, c'est comme une crème. Ah, on met ça avec tes doigts. Donc, ça tu mets comme une crème avec tes doigts. Et ça, tu peux mettre ton fond de teint avec ça. Et t'as une éponge comme moi? Ouais, elle est là. Mais elle est pas si grosse que la tienne. Non mais moi je l'ai mouillée, c'est pour ça elle a gonflé. Mais celle-là, elle gonfle. Ouais, c'est la même. Enfin, elle a gonflé un peu, mais... Ah, il faut la mouiller. Ouais. Donc, voilà. T'as mouillé ton Beauty Blender. 1, 2. T'as un anti-cerne? Non. J'en ai un plus clair. J'ai pas de cerne, moi. T'as bien. Oh, ok, un peu, c'est un peu. Peu. Ouais, mais c'est pour... Pour faire le maquillage. Bon, je te remercie. Je te donne celui-là. Enfin, je te prête celui-là. Ok. Moi, j'ai celui-là. Oh, mais regardez ça. Oui, c'est bon. Hein. Mais il est foutu, Manon. Ah, c'est... ça gratte, non? J'en sais rien. Tu l'as déjà nettoyé? Je me donne que t'as des boutons. Tu sais que ça se lave les pinceaux. Ça aussi, ça se lave. Ça... Ah bon? Bon, t'es prête? T'as ouais. Quoi d'autre? Non, j'ai encore ça. C'est ce que tu m'avais conseillé. Ah, ouais, ouais, ouais. Et mat bronzer. Et j'ai l'autre, ça aussi. Il paraît plus foncé qu'avant. C'est celui-là. Et j'ai ça aussi. Ah ouais, le blush. Et j'ai le petit pinceau. Et j'ai mon mascara. Enfin, ça, c'est pour ça. Et pour faire les yeux, ça. Et pour faire les yeux, t'as quoi? T'as pris avec ou tu as... Ça. Ah, oh, celui-là, il est trop bien. Mais c'est... Moi, j'ai le rouge. J'ai le rouge. Ah ouais, et tu l'as acheté où? La différence, j'ai dit je pense. La différence. C'est plus volumineux celui-là, non? Tu crois? Je pense. Bah déjà rien que le dessin. Montre c'est quoi ça. Il est sorti après le beau? Je sais pas. Ou peut-être waterproof. Ah, montre une fois la brosse. Ah ouais. T'as ouais. Pas de brosse toi? Mais c'est super bien hein. Ça fait des hyper longs cils hein. Y a ah, c'est trop bizarre. T'as vu? Mais moi aussi, ça fait effet fossile. Sérieux? Je te jure. Je vais acheter celui-là aussi alors. Au pire, essaye-le. Et j'ai plus rien. C'est Action ça? Ouais. J'avais des Prima. Mais... Et c'est tout ce que t'as? Ouais, c'est tout ce que j'ai. Bon, je te jure, ouais. Ouais, pour un petit pas. Voilà, c'est ça. Moi, c'est genre ça, c'est ma trousse de tous les jours quoi. Enfin, quand je veux me maquiller. J'ai du boulot quoi. Voilà. Donc, c'est parti. Première étape. La base. La base. Que tu mets comme une crème. Comme une crème. Tu mets une splotch. Sur tout ton visage. Hop. Non, mais
tu peux en mettre un peu plus. elle racle carrément. Je sais pas, on dirait une indienne. Moi aussi j'ai plein de boutons. Ouais, moi aussi. C'est déconné. Ah ouais, j'avoue que ça s'applique mieux avec les doigts. Mais ça. T'as vu, c'est tout doux, hein. Ouais, c'est tout doux. Et ça va, l'odeur est pas dérangeante. Non, mais avec ça aussi, ça fait le même effet, hein. Ouais. Ouais. Ça, c'est fait. Ensuite, bah le fond de teint. C'est ici que les romans sont poignés. Non, mais tes cheveux, ils sont pas... Ah. Voilà. Tu vas t'en mettre partout. Ça, c'est prévisible. Comment okay. Toi tu ferais? Non mais vaut mieux pas. Non mais comment tu ferais? Enfin comment tu fais genre? Ah tu... moi j'applique et puis après je mets des couches et puis après je frotte. Ouais c'est bien. Moi ce que je fais je mets sur mon doigt parce que sinon ça absorbe. Ah vois. ok. Je mets sur mon doigt, je mets sur mon visage. Mais je mets partout? Parce que moi je fais ça, ça, ouais, c'est ça. Ah ok ça va. Ouais et moi je fais avec ça parce que c'est plus bien. Ah d'accord. Et les cernes avec ça. Ah ok ça va. Donc ok sur les doigts. Moi je mets une pompe. Ah, une pompe, ok. Et toi, tu mets quoi? Moi, je mettais ça. Je mettais pas beaucoup. Moi, je mets ça. Ouais, la différence. Ça fait la différence. Ouais. Bon. Mais généralement, tous les produits à pompe... Oh, généralement, tous les produits à pompe, c'est dosé pour... Ah, même si t'as une crème, c'est ouais. Dosé pour faire tout le visage. Ah, ok. Oh. Et encore une pompe, je trouve que c'est un peu trop quand j'ai pas assez à camoufler, tu vois. Ah oui. Donc ça, je garde sur mon doigt le reste. Quand... Et je rajoute, tu vois, je tamponne et tout. Ah, et puis ouais. Et je rajoute là où j'en ai besoin. Sur moi, c'est les... toi aussi, les joues, ils sont plus rouges. Ouais. Bah, je rajouterai sur... Ok. Donc, toi, t'as déjà tout mis. Et tu vois, j'étale déjà comme ça. Ok. Mais tu vois, je trouve qu'il s'oxyde. Il devient plus foncé. Mais ouais, il est hyper foncé ce que j'allais dire. Alors que regarde. Ouais, mais moi pas. Hein, ça le mien, dès qu'il sort de la pompe, ou alors c'est bien plus foncé. On doit prendre un moins. J'aurais dû prendre la teinte plus claire, comme ça s'il fonce, enfin s'il s'oxyde, ouais. C'était pas trop foncé. C'est pas bien. Bah, t'as déjà vu tes joues comparées à ton front? T'as vu la taille de ton front? Ouais. Est-ce qu'il a besoin de tant de temps? J'enlève. C'est surtout les joues, nous on est rouge aux joues. Ok. Voilà. Et donc tu prends ton Beauty Blender. Beauty, hein, parce que c'est un prénom. J'ai pris des lingettes exprès. Hein. C'est pas trop. Et on tapote. On se frappe. T'as vu, moi il reste là quoi. Ouais, j'avoue. Je t'ai beau tapoter. Il reste moi, là où j'ai mis. Mais toi ça va? Moi ça va, moi j'ai l'impression que j'ai mis un rond là. Ouais, il est fort blanc quand même. Ouais, ça mais il va se travailler. Okay, il va s'échauffer avec ta peau et. Moi genre là maintenant je l'aime pas, mais tu vas voir que pendant la journée il va changer avec mon sébum. Ouais. Et il sera mieux. Ouais, ça va. Voilà, maintenant l'anti-cerne. Alors, je ne crois pas qu'il soit ici. Anti-cerne. Tu vois, tes joues sont encore rouges. Je dois encore remettre. C'est avec ça que tu vas travailler. Ok. C'est quoi ce bruit? Mais ça. Moi, c'est bien parce que c'est une. Et t'as acheté ça où? En France, mais c'est Maybelline. Jamais Maybelline. C'est moins cher à Auchan, j'ai été. Attends, je te montre. Ouais, je te montre. Pour camoufler vraiment mes joues rouges là. Mm-hmm. Tu vois. Et toi, bah, tu mets comme ça. Comme ça. Ou encore un peu. Je te montre. Ouais, c'est bon. Ok, de l'autre côté. T'en as encore assez? Ouais. Voilà, et après, si. Donc on prend le Beauty Blender, je prends celui-là parce qu'il est plus petit. Toi c'est bon? Oui, c'est de l'autre côté. Et toi tu tapotes genre comme ça. Mais tu peux descendre aussi après. Ok. Avec ce qui reste. Non mais... Tchatcha, ça cache tout! T'as vu, c'est bien hein? Ouais. Et juste en tapotant, si t'étires, tu retires, tu vois.
Ah, okay. Et juste en tapotant, bah, ça ne déplace pas la matière et ça met là où il faut. Pour une fois que j'ai des joues rouges. Parce que j'avais du mal. Mais j'ai pris des. T'as pas une rouge ? Si, si, mais c'est parce que j'ai pris des couleurs ce week-end quand j'étais à la mer. Avec. Je regrette pas. Trop bon. Même froid, c'est bon. Par exemple, moi avec la poudre là. Ouais. Eh ben, c'est trop bien pour les pores. Je vais te montrer. Tu prends ton beauty blender, tu le trempes comme ça, et regarde. Donc tu vois mes pores. On les voit. On dirait du tac. Ouais. Regarde. On est pas mal. Ouais. Bon, il faut que ça rentre, mais. Ouais, mais regarde, on peut rentrer les deux. Ouais, là, ouais, c'est plus. J'imagine. C'est mes pores. Tu veux essayer? Ouais, vas-y. On va essayer. Tu trempes ton beauty blender. Un tout petit peu, comme ça. Voilà. Ici. Ouais. Ouais, parce qu'en plus là j'ai des gros pores en moi. Mais ouais, c'est ça, et ça capte. Je vais l'acheter. En gros, je dois me lever 2 heures avant maintenant. Moi je mets une bonne demi-heure s'il doit faire tout ça. Oh, tu m'étonnes. Mais là tu vois, ceux-là ils sont encore. Mais bon, ça se voit moins ceux-là. Mais ceux-là ils sont fort gros. Ceux-là, mon avis, c'est foutu. Hein. Ouais, c'est. Y'a plus rien à faire. Ouais, non. C'est peut-être une cicatrice d'acné. Hein. Ouais, je pense que c'est ça. Oui, parce que Manon, elle avait de l'acné avant. Et l'acné, l'acné. L'acné, ouais, c'était. Et moi, j'ai jamais eu ça. Ouais. C'est quand t'as commencé à prendre la pilule que c'est parti, non? Ouais, j'ai pris une pilule d'un an là. Ouais. Spécial pour moi. Eh ben. Moi, j'avais jamais eu de bouton et c'est quand j'ai commencé à prendre la pilule que j'ai eu. J'avais pas l'acné, l'acné, non, ouais. Mais que ça a commencé à venir. Bah donc tu vois, c'est chacun sa réaction, quoi. Moi j'en avais plus. Alors ensuite, le bronzer. Moi j'ai Too Faced comme d'habitude. Et toi c'est NYX. Et lui avec celui-là. Le S. Non, le 3 pardon. Oulala. T'imagines. Voilà. Tu prends vraiment genre... Un tout petit peu et puis je fais comme tu m'as dit. Pourquoi t'es souris? Ah, mais je sais pas. T'as des toutes petites joues. Fais comme ça. J'ai du jus de bébé. Ah, c'est mouillé. C'est ça que t'as. Ah, j'ai du l'alcool. Pas poudreux, hein. T'as vu ça? Mais oui, je sais. On est sur le bon profil? Non. Mais bon, on est face. Bien. On est face. Ouais, mais quand je suis comme ça, c'est pas mon bon profil. Et moi, je te regarde, c'est pas mon bon tu profil. Vois. Tu vois. Ah, le S c'est là, moi je m'étais c'est pas trop. S c'est 3. Ah oui, 3. Ah, moi je m'étais complètement là. Tu vois, ça doit faire A et A. Donc ça ici. Ah là. Ici c'est pour dessiner ton ovale du visage. Genre c'est comme moi t'as un double menton. Pas de double menton aussi. Non. T'as ton menton qui fait fort vers l'avant. Ah ouais. Voilà. Voilà. Ouais, tu vas faire le blush aussi hein. J'avais celui-là. Mais ça c'est pour les yeux. Ok. Tu vois le blush, moi, tu mets des étiquettes. Hein. Comme ça. Tu mets vraiment sur la boule là et tu étires. La boule là? Ouais. Alors avec ton gros là. Je suis prête pour aller au bar. Avec ton gros là, bah tu sais si t'en as mis trop, tu vois. Ah ouais, ok. Bon. Maintenant les yeux. Je t'avais montré. Je mets ça comme base. Bah toi, si tu n'as pas de base et que tu veux pas l'acheter, bah, vu que tu as mis l'anti-cerne. Ah, tu l'as acheté l'anti-cerne. Ouais, ouais. Mais vu que tu as mis l'anti-cerne, c'est déjà une base. Mais moi, okay. Regarde, je vais te montrer la différence entre les deux yeux. Et après, elle me mettra dans le cou, j'ai le couteau blanc. Ah, bah oui. Mais tu peux. Enfin, non, j'ai le cou. Tu vois, quand tu mets ton bronzer, tu fais comme ça avec le reste. Tu vois? Ouais, ça va. Allez. Mais ça va, le fond de teint comparé à ton coude, c'est le même. C'est le même? Ouais. Ah, ça va. Ça, j'ai l'impression d'être plus blanche. La lumière est blanche. Ah, ok, ça va.
Mais tu vois, ouais, ça, c'est comme si tu mettais un truc de fond de teint. Ouais, j'avoue. Alors quand ça se fait en double bourrelet. Ouais, j'avoue. Ding ding. C'est double bourrelet. Moi, j'utilise cette palette-là. Bah, j'adore cette palette pour tous les jours. C'est de Bourjois. Okay. C'est vraiment une palette de tous les jours. Et toi, c'est Action. Ouais, c'est Action. J'avais pris ça. Ah ouais, ça c'est highlighter. Toi, je t'avais montré. Ouais, highlighter. Mais je t'ai dit, on met ça ici pour briller. Ah oui, oui. Je sais pas, quand tu te regardes dans un miroir, quand tu fais comme ça, tu vois genre une brillance déjà naturelle. Ouais, là, juste de là. Tu vois, ça. Bah c'est ça. Ah, c'est... Et c'est pour accentuer, pour qu'on le voit tout le temps. Tu veux essayer? Ouais. Soit avec ça, le pinceau, ou soit avec ton doigt. Avec le pinceau, sinon on peut le voir. En plus. Essaye, je sais pas. Je connais pas la pigmentation. Montre. Non, mais rien. On voit un peu? Encore un peu, j'ai dit. Montre pendant que tu mets. C'est à toi. Ah, je regarderai l'autre côté. Vu, ça. Voilà, donc maintenant les yeux. Tu as déjà une idée de maquillage que tu vas faire pour tes yeux? Non, mais à part le mascara, je n'ai jamais d'optique. Moi, je t'explique. Ça, je mets dans le creux de paupière, comme ça. Ouais. Ça, je mets sur la paupière entière. Ça, je fais comme un trait d'eyeliner. Avec un pinceau, comme ça, biseauté. Et faire... tu mets ça sur la paupière mobile pour unifier. Paupière celle-là, voilà, toute la paupière, et après tu peux mettre ça, non? Ouais, au-dessus de ça, tu vois, donc ça ouais. Bon, et quoi, le mascara on met après? Bah oui, tu vas pas mettre ton mascara avant la couleur. Le mascara c'est vraiment les derniers trucs, et moi encore... Ouais, mais après si t'as plein de trucs Si tu mets ton mascara Mon mascara, j'ai du fond de truc ici après. Donc je vais enlever. Ah, comme ça, ouais. Bah en fait, ton mascara, t'essayes de pas déborder. Ça, déjà. C'est... Et tu dois attendre qu'il soit sec avant de le retirer avec le coton-tige. Oui, ça je sais. Ça je sais. Ça je sais. Ça je sais. Voilà. Mais j'en ai full quoi. Non, mais essaye de pas. Ok, full. Ok. Faut que je m'en prenne. Hein. Faut pas déperdre ton maquillage. Comme ça, c'est bien. Ou trop grand. Non, mais là tu fermes. Ah! Ouvre! Ouvre grand! Ouvre et ouvre. Ouais, mais là t'as mis sur ta paupière encore, tu vois? C'est tu ça. Tu vas vraiment mettre sur le creux, ouais. Et un peu plus au-dessus. Ah, c'est chaud, hein? C'est vraiment pour dessiner ton creux en fait. Oh, ok. Et t'as quoi comme pinceau là? Ça? Ah merde! Et encore, celui-là il est trop grand. C'est un truc comme ça. Ok, que j'aurais dû prendre. Ok, ouais. T'as que ça comme pinceau, j'ai toi. Mais ouais, non, mais j'ai les autres, mais j'ai pas pris. Je t'avais dit prendre. Mais tout. Mais bon, mais je pensais pas qu'il fallait pas prendre tout. Il fallait prendre tout. Ouais. Et toujours bien estompé. Hein. Ouais. Est-ce que tu sais c'est quoi estompé? Oui, c'est tac. Tu vois, estompé. Voilà. Regarde comment moi je mets mon truc. Je fais pas ça. C'est comme ça. Ah, voilà. C'est ça estompé. Pour la paupière, tu peux utiliser ça parce que tu vois, moi j'utilise un pinceau là. Trop tard. T'as pris tout avec le même pinceau? Ok. Non, j'ai pas pris tout avec le même pinceau. C'est pas vrai. Après, il y a des hommes qui aiment bien la beauté naturelle, mais bon, ils peuvent voir ta beauté naturelle le soir quoi. Quand je ronfle et que je dors. Non, mais genre, si tu sors au cinéma, c'est toujours plaisant de sortir avec une fille qui s'apprête que tu vois. C'est vrai. Ça va me changer, c'est tout. En plus, je dois changer ma garde-robe. Oui. Je vais devenir une femme. Et pour le restaurant, t'as mis un truc Ouais, j'ai mis un truc bien. C'est-à-dire? Un training? Non, faut pas déconner. Ah non, il était rose, il était pas noir. Non, t'as pas noir. Non, j'ai pas noir. J'ai rien noir. Et t'as mis quoi? J'ai mis. Ah non, attends, qu'est-ce que j'ai mis? Un jeans? Une robe? Une robe, c'est que pour les mariages. Non, je regarde. Attends, j'ai mis quoi? Ben moi, maintenant, je mets des robes avec des bas et du coup, ça passe. Ouais, mais attends, moi, il faut déjà que je passe le cap. De me dire, ouais, mais moi aussi, les robes, c'était pas possible avant. Et maintenant, je me mets des... En fait, le fait de te mettre des bas, ça me dérange pas. Ça dérange pas. Moi, j'ai l'impression d'être nue quand j'ai. Ouais, mais avec les bas, ça passe. Ça passe. Essaye, tu verras. Et tu mets des baskets?
Il y en a qui mettent des baskets. Ouais, je... Ouais, mais pour aller au resto, par exemple. Non, oui, pour aller au resto. Non, mais par exemple, tu mets des... Non, je mets des petites bottines, ou tu vois. Ok. Non, attends, j'ai mis quoi? En fait, les baskets, il y a des robes ou des trucs qui sont un peu plus... Ouais, moins classiques. Genre, si tu mets une jupe classique ou une robe classique, tu vas pas mettre des baskets. Non, bien sûr que non, non. Je sais même plus ce que j'ai mis. Mais là, non, c'était hier. Non, non. Ah, hier yeah. Non, ouais, mais oui. C'était un resto, une brasserie, quoi. T'as fini tout, ok? Non. Tu sais pas faire les deux en même temps, encore. Non, c'est pas non, c'était... Ouais, c'était... Non, c'était un resto... Ouais, c'était un resto, mais j'ai mis... un jeans et un petit truc en haut avec un cœur et un nœud marin comme ça. Mais le resto. Mais c'est quoi la suite ou... Oui, c'est un petit gilet. C'est un petit gilet. Ok. Mais la dernière fois, j'ai mis un truc un peu plus classe. Tu chantes avec des cœurs. Mais c'était un nœud marin en forme de cœur, j'avais rien d'autre. Ah ouais, je vois le style. Ouais. Non, non, tu me vois moi avec des cœurs. Mais c'est ça que je me suis non, dit. Non, c'était un cœur, mais en nœud marin, donc ça donnait bien. Ah, ok. Non, non, moi tout ce qui est rose, cœur. Mais c'est ça que je me suis dit, c'est bizarre. Non, non, non. Je ne suis pas encore à ce stade-là. Non, mais il faut pas être à ce stade-là, ah, t'as vu tout le temps. C'est vrai. Genre quand tu te maquilles comme ça, si t'as des chutes. Des chutes. Je savais que t'allais venir dans des chutes. Genre je tombe. Une chute de maquillage qui tombe sur ta paupière. Tu prends pas avec ton doigt. Et maintenant, vu que t'as fait. Vu que t'as fait ça et là, eh ben tu vas. C'est ça. Oui. Tu vas reflouter pour pas qu'il y ait une démarcation entre les deux. Bon, rien du tout. C'est un truc de Barbie. Heureusement que c'est pas pigmenté, on voit rien du tout. C'est bien en fait. Tu peux te tromper, tu peux mettre à côté. C'est bien pour les débutants. Moi j'en ai jamais mis. T'as jamais mis crayon noir? Bah non. T'es sûre? Bah oui. Oh, il me semblait. Non, j'en mets plus, mais je mets juste. Jamais osé mettre du crayon noir. Ah ouais. C'est mieux. C'est plus discret quoi. Alors, passons au fond de teint. Ah, j'ai déjà mis. C'est là que tu. Ok. Allez hop là. C'est ça quoi. Le mascara. Moi je vais utiliser celui-ci. Oui. J'ai encore utilisé. Ah on m'appelle. Sans faire la cochonne. Ça c'est... Hop. Autant ne pas en mettre quoi. Moi ce que j'utilise c'est ça. Moi ce que j'utilise c'est ça. Oui. Pour Non c'est pour eux. Parce que tu vois ils sont... Tu vois de profil les miens. Ils sont pas hyper... Et moi, de profil, les miens, quoi? Regarde la différence après. On dirait que tu vas les casser. Mais vraiment au fond. Au fond, quoi, ça? Ouais, mais pas sur ta paupière. Je dois le sentir passer. C'est ça? Faisant mon expérience. J'ai trop peur, on dirait comme dans Saut, ouais, là. Ouh. Et je dois appuyer? Ouais, tu fais comme un ciseau. Si tu veux clignoter, tu le retires, hein, parce que sinon tu vas... Oui, il faut vraiment plier, genre tu le fermes à entier, quoi. Non, j'ai trop peur. En fait, moi je me maquille depuis tantôt comme ça et on ne voit pas. Je pense, je verrai au montage, mais... Mais non, je pense qu'au moins on doit recommencer sinon. Je suis comme ça depuis le début. J'aurais dû mettre mon truc ici, moi. Ouais, c'est peut-être mieux. Punaise. On doit recommencer. Non, parce que du coup, t'as de l'expérience maintenant. Ouais, mais je peux faire débile, hein, comme dans la série. Non, on ment pas en vidéo, c'est du direct. Genre, tu mets ton doigt dans ton nez, je le mets, quoi. Je sais que je dois pas faire ça, quoi. C'est surtout que tu l'as fait sans ton... J'ai fait ça. Ah, il faut peut-être faire trop vite. C'est pour ça que j'en mets partout. Regarde-moi. Ah, j'en ai mis. Génial. Regarde. Je mets en bas et je les brosse carrément. Ouais, bah attention, pas trop près de la paupière. T'as pris trop fort, du coup ça va être ta paupière. Tu vois vraiment les brosser doucement. Oh, ça j'ai tout. Oh, j'ai envie de pleurer. J'en ai mis partout. Est-ce que t'as une tête de débile? Ouais. Ouais, je sais. Merci, madame. De rien, madame.
suis prêt. Prêt, Gugus. Ouais. Ma courgette. Je suis prête pour aller au bal. Ouais, il y a plus que le rouge à lèvres, mais bon, ça tu l'as pas pris avec, hein. Je vais mettre ça. Tu vois, ah ouais, ouais, arrête-le. Oui, vas-y. Attention, ça sort fort, hein. Tu l'as, ça va brûler, ça va brûler. Ça pitié. C'est bon, de y assez, c'est bon là. Ouais. Et je mets partout. Ouais. Ah, j'ai fait une tête. Comment, comme ça? Ou comme ça? Comme ça. Un. T'as assez? Ouais. Je vais avoir. Regarde-moi comment je mets. Je vais avoir des lèvres de bombasse. Et ça aussi, ça va augmenter. Ouais. Mais ça, ça a déjà la couleur, t'as bien. Ouais. Et ça pétit quand? Attends. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Nous, en tout cas, on a bien rigolé. Ouais. Ouais. Donc, j'espère que chez toi, tu arriveras à le refaire. Tu me diras. Ouais, ouais. Ça va. Hein. Mmh, après, quand on sait comment faire, ça va. Oui, c'est ça, il faut que je m'entraîne. Quoi. Voilà. Au dimanche, tu vois. Ouais. Juste le ton mascara, fais pas. Applique-toi, ouais. Touche pas ta paupière. C'est ça, quoi. Donc, voilà, si vous avez aimé la vidéo. Un like. Like. Abonnez-vous si mes vidéos vous plaisent, c'est gratuit. Et si vous voulez revoir Manon en vidéo, vous pouvez laisser un commentaire et on refera une vidéo bientôt. Je vous dis à la prochaine. Là. Mais non, mais c'est pour faire la miniature, c'est pas grave. Ah. Voilà. Non, pas se déconner. Elle a pris, hein. Attends, là on recommence. Mais là non, t'as mal fait là.